je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique. Guillaume Soro est un fils, je vous l'ai dit. Quelquefois, certains fils sont un peu rebelles. Il faut leur donner le temps de s'assagir. C'est décidé, je suis candidat. Une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière. Lui avez-vous demandé de quitter le pays ? Pas moi directement, mais nous ne souhaitons pas qu'il mène des actions de déstabilisation depuis le sol français. Il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Quelques jours avant d'avoir annoncé ce retour, il a accusé les autorités ivoiriennes d'avoir voulu l'arrêter à Istanbul. Donc il a un peu mis en scène aussi son retour. C'est rude, la condition de vie en exil. Quand on a déjà été habitué à un certain frame de vie, à une certaine liberté. Donc voilà, il choisit de venir devant, j'allais dire, de la lutte, de sorte à pouvoir obtenir à la fin certainement un compromis politique par des négociations qui puissent lui permettre de retrouver sa liberté, d'arrêter de vivre caché.
C'est un pays qu'il connaît bien. Déjà à la fin des années 90, quand il était président de la Fédération étudiantine de Côte d'Ivoire, il y était allé. Il avait côtoyé à l'époque des gens qui étaient dans la sécurité de Mamadou Tandja, le président nigérien. Et aujourd'hui, certaines de ces personnes font partie de la junte au pouvoir. Donc voilà, il a des amitiés et des gens qui peuvent lui garantir sa sécurité. Je pense que M. Guillaume Soro essaie de forcer un peu le destin. Deux ans de la campagne, on voit toute la lutte de positionnement au PDCI, au PPACI, au sein du RHDP, la guerre informationnelle pour ne pas se faire oublier du tout. Ensuite, s'il ne vient pas lui-même, personne ne l'inscrira à nouveau sur la liste électorale, donc il essaie de se rapprocher davantage d'Abidjan, avec un certain itinéraire, un certain agenda bien défini, mais dont tous les éléments ne dépendent pas de lui. S'il doit venir à Abidjan, je pense qu'il ne viendra pas pour se faire menotter pour aller en prison, mais ça sera à la suite d'un certain dialogue politique avec les autorités d'Abidjan.